Chose promise et chose due, le produit du parc agro-industriel de Bukangalonzo, de nouveau sur le marché de Kinshasa. Tenez, un sac de 25 kg de farine de maïs se vend à 20 000 francs congolais. La relance officielle des activités commerciales est intervenue ce mardi 28 février 2021. Cérémonie présidée par le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, Apollinaire Bilosso. Pour le nouveau comité de gestion de Bukangalonzo, nous ne pouvons que les encourager. Nous ne pouvons que louer l'initiative qu'ils ont prise en travaillant dans des maigres conditions, mais néanmoins en mettant à la disposition des ménages la farine de maïs. Nous nous réjouissons par le fait que la farine est là, dans des points de vente, disponible à un prix accessible. Le comité de gestion de cette institution se bat pour assurer la régularité des stocks de produits disséminés dans différents points de vente de la capitale. Et je commence d'abord par saluer le président de la République. Sans lui, aujourd'hui, Bukangalonzo allait être enterré. Comme nous avons promis lors de mon premier discours, nous avons lancé le maïs grâce au ministre Désiré Birianti qui se bat. Nous avons notre politique. Je vous rassure que la population va être satisfaite. Ce n'est pas que nous lançons juste pour les fêtes, mais c'est pour satisfaire la population durant tous ces mandats du président de la République et voir le mandat prochain. Nous vous rassurons que la population va être servie avec le produit Bukangalonzo. Ceci dit, la population est invitée à reprendre l'habitude de manger qualité avec les produits Bukangalonzo.